Ça va? Bon, alors, bah, je me suis posée, petite terrasse, mon petit capri-sonne et mon petit croissant. Voilà. Alors, je vais vous montrer mes petites courses. J'ai acheté des petites courses, mais c'est vraiment pas... Je fais attention, c'était un supplément. Et puis, ça n'engrange pas mon budget dans la mesure où j'avais fait une brocante. Et j'avais rien utilisé comme argent de la brocante. Oh ! Alors, si vous saviez sur quoi ça tient sur des oranges. Bon, allez, on y va. Alors, le téléphone. J'ai pris 2,89€, 3 paquets, parce que Heidi, en ce moment, elle ne mange que ça au bœuf. Elle adore. Donc, j'en ai pris 3 petits paquets. Je préfère prendre des petits paquets que des gros paquets, parce qu'une fois que c'est ouvert, après, il y a l'humidité, donc je préfère. Donc, 2,89€. Voilà. J'en ai pris 3 paquets. Alors, ceci, c'est tout nouveau. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Ivy est difficile en ce moment. Il y a 99,9% des personnes qui sont convaincues. J-21, poil plus brillant, Purina One, Dual Nature, Spiruline. Parce que moi, j'achetais ces grandes croquettes que j'adorais à 27€ le kilo. Mais elles sont un peu chères, mais limite, je veux bien, mais elles ne les mangent pas. Alors, je ne vais pas acheter 27€ un paquet d'un kilo si elles ne les mangent pas. Donc là, je me dis, ben, Purina One, plus doux, je vais essayer. 7,50€, je vais essayer. Franchement, je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pour chat stérilisé, mélange de deux textures. Alors, c'est bien ça aussi, les manches, si c'est pas trop dur. Si c'est pas des croquettes trop dures. Je ne sais pas. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire, pour le coup. Comme ça, ben, moi, je saurai. Et voilà. Mais je vais quand même essayer de lui donner. On verra bien. C'est du Purina One. C'est à base de spiruline. Ça ne peut pas faire de mal. Mais je préfère tenter, je vais essayer de tester, j'ai testé les Jaffy, j'ai testé tout. Elle a été habituée à Farmina, mais Farmina, elle n'en veut plus. Alors, Purina One, elle le mange, mais moi, je vais voir combien il y a de protéines dans cela. Voilà. Ensuite, j'ai pris ma petite mâche à 70 centimes. Franchement, ben, moi j'apprécie beaucoup, c'est très bien, avec la petite tomate et tout ça. J'ai pris des petits croissants pour moi demain matin, 1,25€. Franchement, c'était pas cher et il y en a 3, il y en a 6 dedans, je crois. Oui, il y en a 2, 4, 5, il y en a 5 dedans. Mais c'est bien, 1,25€, ça va. J'ai pris 2 courgettes. J'en ai eu pour 49 centimes. Voilà, il faut faire attention, tout simplement. Voilà. 49 centimes. Les tomates, 2,15€. Alors, j'ai pris des petites. Je vais vous montrer. Elles sont trop mignonnes. Elles sont pas trop mûres. Voilà. J'adore les tomates ananas. Donc, voilà, j'ai pris des petites tomates ananas. Je suis toujours sur ma terrasse. Voilà. J'ai pris les brugnons, alors ça je vous les recommande, 2,99€ les brugnons, franchement ils sont très très bons, il faut les laisser mûrir un petit peu, mais ils sont délicieux. J'ai déjà mangé un paquet, j'y suis allée la dernière fois il y a une semaine, et là ben, je suis juste repris un petit supplément pour des fruits. Ce que j'ai acheté surtout, c'est des fruits. Des petites pommes de terre, je les aime bien, celles-là 1€. C'est très très bien pour faire au micro-ondes et après à la poêle. Vous les faites dorer à la poêle avec un peu d'ail et du persil, c'est délicieux. Ou de la ciboulette fraîche. Et des oignons rouges, ça dépend, à votre choix. Et j'ai pas pris grand-chose, j'en ai pour 22€. Hein. Et j'ai pris ceci pour ma fille parce qu'elle mange énormément de pâté en ce moment. Énormément. Donc voilà, j'ai pas, voyez, j'ai pas, comment dire... J'ai juste pris un petit supplément, au contraire, hein, je suis contente d'être à la retraite. Hein. Même si, voilà, j'ai pas beaucoup de... Et en plus, je sais où je veux aller maintenant, ça y est. Alors, je vous dirai quand vraiment j'aurai fait les démarches, parce que j'ai pas fait les démarches encore. Eh, hey, j'ai trouvé 1 centime. Wow, regardez. 1 centime. C'est mignon, c'est un porte-bonheur. Alors, du coup, là, j'ai droit à 5€ le 15 août. Faudra que je regarde. Alors, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça dans mon porte-monnaie. Ben, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Ici, il pleut. Alors, là, je comprends pas. Je suis sortie. Je pensais que il allait faire un temps. Et j'ai oublié mes oranges. Mais si je te montre les oranges après, ben, je vais te les montrer. Voilà.
le filet d'orange. Tu en avais à 3 euros, tu en avais 2 euros. Moi, c'est pour faire du jus d'orange, je vais voir ce que ça donne. 1,20 €. Je dis, il faut faire attention. Et pour 1,25 €, j'ai pris parce que je vais continuer mon. J'avais pas vraiment de crayon de couleur adéquate. J'en avais, mais je ne sais pas où je les ai mis. Du coup, j'ai pris des Auchan. J'avais besoin du rose, comme ça, des couleurs un petit peu criardes, un petit peu fluo. Du coup, je suis trop contente. J'ai pris ces petits crayons-là pour pouvoir finir mon truc à saccager, mon livret à saccager. Voilà. Je vais boire un petit Samson. Je vais manger mon petit croissant avec toi. Alors, aujourd'hui, le temps est bizarre. Moi, je ne sais pas si tu as vu le système que je fais avec ma couverture de survie, mais c'est un truc de dingue. Et dès que tu vois que ça décolle, tu remets de l'eau et ça c'est reparti comme en 14. Il faut surtout bien étaler et ça tient très très bien. Et surtout, ça ne fait pas rentrer la chaleur. Alors, que te dire? Ben, j'espère partir un petit peu. Quand, je sais pas. Tu as vu, je ne me maquille pas du tout. Parce que encore une fois, ils doivent venir aujourd'hui. J'ai toujours pas d'eau chaude. Ça me saoule. Ils sont venus la semaine dernière. La semaine dernière, ils m'ont réparé le chauffe-eau. Il m'a dit, il n'y a pas de problème et tout, madame. Nanana. Et là, depuis 3 jours, plus d'eau chaude. Donc, j'ai téléphoné. J'ai dit, attendez, j'ai téléphoné hier. J'ai dit, écoutez, j'ai toujours pas d'eau chaude. Alors, il me dit, oh, mais non, mais on ne peut pas venir. Je fais, qu'à cela ne tienne. J'ai téléphoné. Il y a Dieu et c'est ça. J'ai téléphoné à Dieu, on va dire. Et j'ai expliqué. Et elle m'a dit, oh là là, elle m'a dit, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Et on va dire, peut-être 3 heures après, on m'appelle, on me dit, on passe cet après-midi. Voilà, il passe cet après-midi aujourd'hui, parce que c'est hier que j'ai téléphoné. Comme je te dis, ne te laisse jamais faire. Tu as toujours une solution. Tout problème a une solution. Pense positif, tu attireras le positif. Pense négatif, tu attireras le négatif. Je fais juste attention, je fais de façon à plus, comment dire, dépenser comme avant. Voilà, bah écoute, c'était pour t'expliquer un petit peu par rapport aux économies. Voilà, tu vois, il faut faire attention. Quand j'ai téléphoné pour savoir si j'avais le droit, parce que j'avais le droit en tant que retraité. Eh bien, rien. Si, la carte, si je reste ici, là, la carte améthyste, si je reste... Non, c'est pas améthyste, je sais pas comment elle s'appelle. C'est une carte, je paierais 25 € à l'année pour tous les transports. Il faut prendre n'importe quel... Et c'est la carte Navigo, en fait, et je paierais que 25 € à l'année. Voilà. C'est déjà bien, parce que le transport, ça coûte cher. Retraités, hein, pour ceux qui viennent des tout jeunes retraités, eh bien, il faut se renseigner. Moi, j'ai encore le comité d'entreprise, donc je peux en profiter pour les vacances, pour plein de trucs. Étant retraité, on a le droit encore au comité d'entreprise tout le temps, donc ça, c'est bien. Donc, j'envisage d'aller à Disneyland. Faire attention et de se faire plaisir, hein. Et de mettre, quoi qu'il arrive, même si on peut mettre que 50 € de côté, de mettre 50 € de côté. Moi, je mets 100 € sur mon assurance vie et 50 € sur mon livret de caisse d'épargne. Alors, quant à YouTube, avant, je touchais, on va dire, tous les 3 mois ou 4 mois, 80 €. C'est rien. Et bien là, rien. Ils ont changé leur façon de compter ou j'en sais rien. C'est pas grave. Hein. Être heureuse avec vous. Partager avec toi, c'est important. Échanger. Mmh.
Et hier, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai juste dit des trucs que j'avais en tension, que quand on est à la retraite, eh bien, on n'a plus le même budget et il faut faire attention, mais on vit très bien aussi, il n'y a pas de problème. Il faut juste, quand on a des choses, eh bien, se dire, tiens, attends, je ne vais pas le gaspiller, je ne vais pas faire ci, je vais faire cuisiner. Tiens, je sais que j'ai ça qui reste, eh bien, je vais le faire. Voilà. Aujourd'hui, j'avais acheté des prunes la semaine dernière. Il faisait tellement chaud que je ne voulais pas faire une tarte. Eh bien, là, je vais faire une tarte au quetch, enfin aux prunes rouges. On ne la filmerai pas. Hein. Enfin, on verra. Et puis, il y a plein de vidéos que j'ai fait, que je dois faire. J'avais envie de t'emmener avec moi, comme ça. Allez, sur ce, je vais te laisser. Je vais refaire ma petite cure de jus d'orange le matin. Et comme je n'avais pas déjeuné, tu vois, 2 euros mon petit déjeuner, ça va. C'est juste pour dire, voilà, qu'il faut... on peut faire attention. On peut faire attention, on peut... tout simplement vivre bien. En fait, c'est une question de choix, une question de vie. Sur ce, je vais te laisser.